peu été le titre de Chevalier Cabé, que ce soit pour Merge Dragon ou Merge Magique ou un autre de vos jeux, c'est cet autocliqueur là. Donc moi je l'ai installé déjà sur mon PC, donc pas mon PC, ouais si sur mon PC, sur mes mus. Donc ce que je vais faire, je vais le défaire, je vais le désinstaller et le réinstaller pour vous faire voir toute la mise en place. J'en ai pour 2 secondes, je reviens. Voilà, hop, c'est fait. Donc maintenant je vais réinstaller. Il n'y en a pas vraiment pas pour long. Voilà, c'est fait. Donc je vais l'ouvrir. Donc là, on va cliquer. Cette application a besoin de l'activation du service d'accessibilité pour fonctionner. Il va m'y emmener tout de suite. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est marqué désactivé. Donc je clique dessus, je clique sur activer. Voilà, là, c'est pour observer vos actions et effectuer des gestes. Donc, OK. Donc là, si je suis dans l'onglet des paramètres, vous ne le voyez pas. Donc ce que je vais faire, je vais repasser sur celui d'autocliqueur en haut. Je reviens sur autocliqueur. Voilà. Hop. Je reviens encore en arrière. Et j'arrive ici. Donc avec le tuto de Chevalier KB, on va passer en fenêtre en gestion de cibles multiples. Donc c'est cette configuration-là. Alors là, il y a à gérer les configurations. Alors sur le tuto, il est vrai que, bon, de base, hein, j'y ai pas touché, donc j'ai laissé 100 et 500 millisecondes par défaut. Moi, je l'ai vu juste avant. Donc je reviens juste en arrière, et normalement, il y avait possibilité de revenir en arrière, revenez d'un cran en arrière, et vous devriez avoir cette fenêtre. La fenêtre d'une nouvelle configuration. Or, ce n'est plus le cas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est lancer le paramètre. Donc ça c'est fait. Et là, on va aller activer. Voilà, on l'active. Pour lancer une nouvelle configuration, vous allez sur la petite roue des paramètres là. Voilà, je cherche la configuration. Donc là, vous changez le nom comme vous voulez, Merge Magique ou Merge Dragon. Moi là, je suis sous Merge Dragon, je mets de Merge Dragon. Merge Dragon. Oui, je vais faire les deux, comme ça on sera pas, il y aura pas de jaloux. Oui, j'ai oublié le S. Merge Dragon et Merge Magique. Comme ça, je fais pas de jaloux. Oui, et une majuscule. Hop là. Hop. Cercle. Donc c'est vrai que il manque quelques petits trucs, mais sinon j'ai fouillé franchement, hein, même pas 10 minutes et j'ai trouvé comment ça fonctionne. Donc tout le monde devrait pouvoir le fonctionner. Donc je sauvegarde. Je passe sur mon onglet ou sur l'application Merge Dragon, là où vous êtes en jeu. Et là, pour avoir les petits cercles de pointage pour la souris, je clique sur plus. Et j'en ai un. Donc je le mets là. Allez, on va en mettre fixe un multiple. Et ben, vous pouvez en mettre jusqu'à 3, 4, voir ce que vous avez besoin. Je mets sur la petite fleur. Et après, pour paramétrer les clics, on clique soit sur le 1, voilà, on ouvre. Et là, on passe en seconde. Et vous mettez 10 secondes pour celui-là. OK. Et vous mettez 10 secondes pour le deuxième. Donc voilà, vous passez en seconde. Hop. En passant, parce que sinon ça va faire très long. OK. Et là, pour que ça fonctionne, hop, vous cliquez sur pause et ça clique. Voilà. Alors normalement, il faut faire ça avec les boules bleues, hein, mais ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème. Vous voyez là, ça cliquait dessus. Hop. Hop, le double clic. Voilà, ça fonctionne. Le tuto fonctionne bien. Bon, pour ceux qui ont BlueStack, il faut regarder si c'est pas intégré dedans maintenant, parce que dans les nouvelles configurations, maintenant c'est directement intégré dans les paramètres. Donc ce qui est pas mal. Donc là, je vais arrêter. Donc pour l'arrêter, c'est simple, hein. Hop, je clique sur la croix et je ferme. Et voilà, vous avez fermé l'autocliqueur.
Donc moi je vais aller découvrir un petit peu tout ça pour les autres Android. J'ai déjà découvert pour Mému où c'était. Maintenant je vais aller voir sous BlueStacks ou Nox ou les autres, voir ce qu'ils nous proposent et je vous tiendrai informé. Bon, sur ce, moi je vous dis bye bye, amusez-vous bien et puis surtout vous embêtez pas la vie, c'est qu'un jeu. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Allez, plus plus, à la prochaine. Thank you.